Effectivement, nous connaissons les gens qui ont été en train de faire des choses dans la wilaya. Il y a eu tout un travail avant qui a été fait par le bureau Snapo Tizi Ouzou concernant les installations illégales. D'ailleurs, c'est l'ordre du jour de ce sit-in. Si on a fait ce sit-in, c'est pour dénoncer et dire halte aux installations illégales. Et en même temps, c'est un cri de détresse des pharmaciens de Tizi Ouzou. C'est pour dire que nous sommes contre, à 100% contre cette politique d'installation, bien de transfert qui se fait d'une manière non réglementaire. Ces installations elles datent de 2017 et depuis pratiquement deux ans et demi, le Snapo Tizi Ouzou, c'est-à-dire a pris ce dossier des installations illégales et on a œuvré et on a tout fait. Et on a utilisé toutes les voies réglementaires pour essayer de dénouer. On a fait même des propositions. On ne s'est pas arrêté à dénoncer et à dire que nous sommes contre. Il y a eu même des propositions pour, si vous voulez, régler d'une manière réglementaire et définitive ce dossier. Au jour d'aujourd'hui, si on est là, nous sommes là pour dénoncer l'infraction à l'arrêté 002 qui régit les installations des pharmacies en zone numérosclerosus, installation et transfert, et l'infraction par rapport aussi à la circulaire 003. Les ouvertures de pharmacies, il y a des voies réglementaires qui répondent pour qu'un pharmacien postulant puisse prétendre à une ouverture de pharmacie. Entre autres, il y a l'inscription à une liste d'attente, le respect de cette liste d'attente. Il y a un peu plus de 350 pharmaciens postulants qui attendent la liste d'attente. Donc, il faut respecter cette liste. En plus de ça, c'est qu'il y a une commission locale qui a été installée sur l'instruction ministérielle, entre autres, chapeautée par la DSPN, ou le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. C'est cette commission
qui va étudier et prospecter éventuellement les postes pour établir une carte sanitaire et à partir de là, donner une fiche technique pour le pharmacien pour qu'il puisse s'installer. Il se trouve qu'on a deux cas de Guédé-Tizi-Ouzou qui ont dérogé à cette règle. On ne sait pas par quel mécanisme ils ont pu quand même avoir l'agrément Yegi. Laissons Yéouz d'Ifrecha, non, d'Ifrecha, en plein centre-ville. Et c'est un dossier, un ISA, ni de la commission, ni de la DSP. C'est un bonhomme qui n'est pas inscrit au Conseil de l'Ordre des pharmaciens, sachant que l'exercice de la profession de pharmacien, ce qui le rend illégal, c'est l'inscription au Conseil de l'Ordre. En plus de ça, c'est une ouverture en zone numéros clausus, c'est-à-dire en infraction totale de l'arrêté 002. Entre autres, je dis qu'à l'arrêté Egui, c'est la ratio, le nombre de pharmacies par habitant, entre autres la distance minimale, pour citer que ça. Et nous dénonçons aussi, il y a eu un cas d'ouverture de Bourni, Anisa, il y a eu la commission, elle a validé, approuvé, validé l'ouverture d'une pharmacie en zone enclavée dans le cadre de la circulaire 00 à Tarawa. Et à notre grande surprise, on se voit à l'ouverture d'une pharmacie à Tarawa, 4 mètres juste à côté. Par quel mécanisme, par quel rouage, on n'en sait pas. L'essentiel, nous connaissons avec ici pour dénoncer ces installations et pour dire, c'est-à-dire aussi que halte à ces installations et que nous, les pharmaciens, la voix des pharmaciens exprimée par leur syndicat, le SNAPO, on ne peut pas accepter ce genre de dépassement. Il y a aussi, nous dénonçons aussi la politique du deux poids deux mesures. Il y a des pharmaciens diplômés qui sont sur la liste d'attente et c'est pratiquement depuis des années, pour dire 10 ans, ils attendent l'ouverture d'un poste. Ils sont là, ils attendent. Or que d'un autre côté, on se voit comme ça, deux pharmaciens qui ouvrent en plein zone urbaine. Autant que pharmacien d'officine avant tout et autant que syndicaliste, nous réagissons. La preuve, vous voyez, avec les pharmaciens de Tizi Ouzou, nous sommes là. Il y a eu pour votre information une assemblée générale extraordinaire des pharmaciens de Tizi Ouzou qui ont signé une pétition à l'unanimité de tous les pharmaciens pour dénoncer ces installations. Et appelons l'administration locale et centrale à se pencher sur ce dossier, à réagir et pour dénouer d'une manière définitive et réglementaire ces dossiers. C'est important quand même de signaler au passage que le bureau SNAPO de Tizi Ouzou, on ne s'est pas arrêté à dénoncer, on a fait même des propositions de sortie. C'est des propositions, je dis, que je qualifie, c'est des propositions faites en fleurs. C'est parce qu'on aurait pu exiger une fermeture définitive. Mais rien n'empêche, nous avons proposé à ce que effectivement ces pharmacies qui sont installées en infraction des décisions réglementaires puissent être transférées dans d'autres lieux. Et ça ne va pas porter atteinte non seulement à la profession et aux pharmaciens installés dans les régions. Voilà, donc dans un sit-in de protestation. Contre les installations illégales d'officines pharmaceutiques au niveau de la wilaya. Voilà, une souture, tout simplement, une souture à ce que le canon soit appliqué, que la loi soit respectée. C'est une profession réglementée, comme elle l'est dans tous les pays du monde. C'est une profession médicale réglementée et qui est régie par des lois. Donc nous connaissons ni plus ni moins que la loi soit respectée. Le canon est une pharmacie par 5000 habitants, que ce soit respecté. Une pharmacie chaque 200 mètres, que ce soit respecté. Il y a des commissions dans toutes les wilayas du pays, des commissions installées sur décision ministérielle, avec l'ordre, la DSP et le syndicat, qui est chargé de traiter ces dossiers de nouvelles installations. Nous connaissons le souffle de l'air, qu'il soit appliqué sur le terrain.